fond tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Bonjour, bonjour, vivez libre et que la joie vous touche. Et si la joie ne vous touche pas, c'est qu'il y a un problème. Et je pense à un ami qui s'est mis au trading. Et je pense à tous les financiers de ce bas monde qui, en ce moment, se disent « on va pouvoir faire de gros gains ». Certains en font, d'autres pas. En tout cas, c'est pas un métier dans lequel on peut beaucoup dormir. Jean de La Fontaine en parle, le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages, plus cotant qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu et dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier alors, en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas, au marché, fait vendre le dormir. Comme le manger et le boire. En sonne hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an, ma foi, monsieur, » dit à son tour le rieur, le gaillard savetier, « ce n'est point ma manière de compter de la sorte et je n'en tasse guère. » Un jour sur l'autre, il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année, chaque jour amène son pain. « Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ?»« Tantôt plus, tantôt moins. » Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêle des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait, l'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus. Prenez. Gardez-les avec vous pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent de la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il en sert l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix. Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines, le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis. Les soupçons, les alarmes vaines, tout le jour il avait l'œil au guet et la nuit. Si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent, à la fin le pauvre homme s'en courut chez celui qui ne le réveilla plus. « Rendez-moi, rendez-moi mon argent, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Voilà, chers amis, quelques fables, quelques chansons. Aujourd'hui, on voit que ça peut porter du sens. On accueille deux nouvelles invitées, Émilienne, bonjour, et Guylaine. Bonjour. Fonquéreuse, poétesse, danseuse de Maloya, vous allez nous donner de la joie, je sens. comment vous est venu je ne vais pas vous questionner. Par où est-ce que vous voulez commencer? Dites. Alors, pour moi, mais commence par un petit fond de cœur. Allons-y. Allez. Ok. Imagination. Imagination, les pagouillons. Ça lisse. Ils tournent en tourbillon. Mais Tasmanie, Rodin sauce. À cause,
y a ras la moins, pli loin. Tomber, conyé, moi les casse cassée. Aller à m'y rouver à mon zier, devant moi, N, D. Trois galets, là pour jouer. Tan, 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 tan. Tan 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 tan. Merci. Ah, merci. C'est bon. Qu'est-ce que ça raconte et comment ça t'est venu? Alors naturellement, en sachant que m'était vient ici avec avec Guy, avec Farzad même. Il dit, bah tiens, on a envie de lâcher à moi et écrire de petites phrases, de petits mots sur les pensées, mais en créole. On a envie de la galer en créole. Mmh. Voilà. Donc, il entend bien que la bonne pensée, l'imagination, ça l'est tout le temps là, ça. Tout le temps, il tourne en tourbillon. Mais, arrive un leur, qu'on gagne coup de con. C'est le moment, c'est l'occasion peut-être pour essayer ouvert aux yeux, pour essayer regarder ce que est là, maintenant, présent. Mmh. Ah là, là. Ah, c'est beau ce que tu dis parce que, en fait, beaucoup d'entre nous, on ne voit pas nos pensées. Nos propres pensées, c'est là depuis des générations et des générations et des générations. On se les refourgue tout le temps. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos parents nous disent il faut maintenir tout ça, va travailler, apprends bien, tu auras une belle voiture. Et tout ça, ce sont des pensées qu'on cultive et on ne sait pas qu'ils sont en train de te commander. En fait, on a dans nos propres têtes, on a un ennemi qui nous dit de faire les choses qui va te donner des problèmes un jour, tu vois. Et si tu peux voir ça, comme tu dis, voir les pensées qui passent comme ça, et ne pas jouer avec, tu vois. Alors, comme on est dans une mission qui s'appelle « Vivre libre », eh ben, c'est tout l'enjeu, c'est de vivre libre, de ne plus être pris avec des pensées que tu as dans ta tête, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, c'est vrai que les pensées, ben, des fois, c'est pas facile de les faire partir. Oui. En fait, moi, je pense qu'il faut nous les témoins, en fait. Nous les témoins de nos pensées. Waouh. Voilà. Oui. Il faut nous les témoins de nos pensées et que ben, nos pensées à nous, faut pas que nous voilions comme un maître, en fait. Voilà, voilà. Donc, il faut vraiment que nous faire en sorte que ne sois témoin. Voilà. Et comment tu vois ça, toi? Parce que tu vois, les gens, ils nous écoutent là. Hein? Être témoin de nos pensées, ça veut dire que tu les regardes, quoi. Tu n'es pas les pensées. Voilà. Parce que tu sois différent des pensées. Voilà. En fait, tu arrives à les voir et tu observes voilà. Qu'est-ce qu'elles sont. Les observateurs, oui. Mais ça, pour la plupart d'entre nous, comme tu disais, il est difficile. Oui, très difficile. C'est pas quelque chose qui est facile. Mm-hmm. Mais je crois que quand on a gagné des coups de coin, quand on finit une coup de coin, là, ben, ces affaires-là, ils causent avec lui. Ah oui. Tu vois? Ou l'envie de regarder à lui. Ou l'envie de regarder. Et tu t'aperçois que, en fait, ce que tu regardes, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas à toi. Parce que nous les filles identifient à nous. Ma cause un coup créole. Allez, allez. Mais bon. Non, j'adore ça quand vous posez des problèmes. J'adore ça. J'adorerais pouvoir poser aussi. Le problème, c'est qu'à la radio, il n'y a rien qui parle créole. On ne peut pas apprendre, nous, les oreilles. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais. Allez, allez. Alors, quand nous, les filles, gagnent coup de corne, comme nous dit, hein, ouais, et ben, là, nous réveille. Les vrais, nous réveille. Mais, ouais, le problème, quand nous finissons réveillés, là, il y a une affaire avec ça. Quand nous finissons réveillés, il faut qu'on abandonne la vie qu'on a. Toutes les modes de vie que les filles installent en haut, là. Où t'es, où petit case, petit l'argent, petit confort, tout ça. Ben, ça aussi, avec, il part, ça. Ouais, mais on veut pas. On veut garder à lui. Ouais. Alors que ça, même les pensées, ils restent la même. Parce que on veut le plaisir que les pensées, ils donnent à haut. Mais le plaisir,
il emmène à où, quoi, quoi il donne à où, où amène ça dans la tombe, où amène pas ça dans la tombe du tout, du tout, tu vois. Et c'est ça notre problème, quand on n'a point rien pour emmener avec nous, tu vois. Et qu'est-ce que tu peux emmener avec toi? Ben rien que la joie. La joie, quand on a pu la pensée, il vient trappe à où et en bas à où, tu sais. Vous connaissez les affaires à la pensée, là? Une fois, moi, j'étais dans, à Paris, là-bas, on avait un train qui passe. Et moi, t'es en train de penser, méditer, le train, là, pareil, bande pensée, là, il passe. Et là, le monde, il rentre dedans, ben là, il connaît pas où ça, il ça va. Ouais. Ben là, il prend le train, là, il ça va avec, il connaît même pas où ça, il ça va, ça va. Après, ça, tu finis, arrive au bout de là-bas, il dit, mais, que ça m'y fait t'es à la moi, là? Et, ou, tout le bande traque, où n'est-ce là? Ben, sa même pensée, là, pensée, il amène à où, dans le tracas, mais où il n'a pas envie d'aller dans le tracas. Au bout d'un moment où il y a tellement de tracas, où il demande à où, mais que ça m'est en train de fêter là. C'est ça. Et c'est ça notre problème. Ça, ouais. Et peut-être il faut nous l'aider un petit peu, comme peut-être intelligent, tu vois. Parce que ça demande beaucoup d'intelligence pour regarder le banc de pensée quand il vient, quand il travaille avec où là, que ça est en train de faire avec où là. Il faut un peu l'intelligence et puis beaucoup l'attention aussi. Attention. Si vous voulez attentif à ça. Si vous voulez pas attentif, là, il distrait oh, tout de suite, il dit allons, on boit un petit café, allons voir ma copine, allons danser un coup, allons amuser nous, tu vois. Et rien que ça même, à quoi ça même, il y a un bon peu, il n'a rien que ça même dans la tête. Ah oui, de quoi? Rien que le jeu. Vous connaissez comme Benaï qui dit mon grand-mère, tu dis à moi ça. Tu n'as rien que le jeu dans la tête. Il a dit ta tête est dure. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ben, mi fenty on kea, il appelle Dofé. Oh, good! Dofé. Waouh! On a envie d'écouter. Voilà. Tout fait, tout flamme, tout sel en dame. Dofé en fait, Dofé en flamme. Li brille en punjak, li sauf en crépitement. Li détruit vitement, li vient en cendre seulement. Catherine Dofé, en graines sauvées, sauvées couillées, indisciplinées. Capline grand-mère, gâteau si fait. La braise si marmite, si couvercle, y crépite. Fait cuit fait de bois, pour échauffe, coco l'amour, donne t'y case en tôle. Que n'avait rien que babiole qu'il faut, pour manger, pour nourrir l'okéa. Sauf de fait, un passe-temps, que n'avait depuis tanti. La paye, c'est le prix. De le saut, la rente dans le corps. Le corps doulé, la vie éclaire. Souffrance amère. Un malheur, la nuit frappée. Bon Dieu, la passe devant. Non, 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 pour coller, pour aller. Soleil, la nuit éclairée. Laisse silence grandit, fait son l'avenir. Zordi, Catherine de Fée l'entraîne qui fait dans le rêve l'écriture. Par quoi, t'es malisé. La finit par nier réalité avec la foi bondie d'un pays d'Ophée. Waouh! Super, super. Le pays du feu. Voilà, c'est ouais. Ça. Et comment ça t'est venu? Et qu'est-ce que tu as voulu dire à travers Ben, au fait, c'est un message. Voilà, c'est un fond de quai personnel, un vécu, et que m'en a voulu transcrire et faire ressortir surtout. Et oui, c'est un fond de quai que l'a vécu pendant l'enfance. Donc maintenant, devenu adulte, il fallait le faire sortir vers une guérison personnelle. C'est beau comme c'est sorti, parce que tu vois, quand on nous cause comme ça, là, ma fille remarque, hein, de mon gain cause comme où là, ça c'est de mon fille bien assise dessus. Voilà. Ouais. Et quand on est assise là-dessus, là, ben où gain fait sorte à lui d'une manière qu'il blesse personne. Ouais. Parce que tout ça, c'est au fond de nous, là, vraiment au fond de nous. Hein. Il y a une affaire pour dire ça. Il y a une affaire pour dire de monde là en train de souffrir. Ouais. Et de monde, il souffre là. Mais ben, là, quand il entend ça, ben, il cause avec Zot. Ouais. Et ça, les beaux.
que nous gagne fait ça, parce que souvent nous cause, ben, de monde, il dit, ah, quoi, un couillon, ou, qu'est-ce qu'on est en train de dire, ou là, connais? Et première chose, nous, Lina, nous fait, eh ben, nous veut pas, de monde, il vient contredire ça. Donc, nous fait plus. Ouais, nous, après, nous, la peur. Et c'est pour ça, à cause ça même, il dit, bah, quand, bande causée, comme nous fait là, quand nous en train de faire là, ok, ça y est, ben, il faut laisser les affaires couler, quoi. Bien sûr. Mais, parce qu'il y en a beaucoup de résistance là-dedans. La peur, hein, la peur que ça, de mouni ça va penser, voilà. Tu vois, et n'a plus personne, il veut dire grand chose. Tout d'abord, la peur. D'ailleurs, nous invite tout le monde, n'a pas peur, viens là. Viens causer. Viens causer avec ton cœur. Ouais. Comme ça, nous profitons tous de la beauté que Néna dans le fond de le cœur. Oui, c'est ça. T'es dans le fond le cœur, Néna, la beauté, mon noir. Faut détacler la langue et c'est vrai que. Comment on a dit ça? Détaque la langue. Détaque la langue. Même ça. Libérer la langue, ouvrir la langue. Elle dit là, détaquer, ça veut dire... ouvrir. Ouvrir. Détaque la langue et tout ça que Néna, comme dit le fond de cœur, tout ça que Néna, au fond de cœur, ben, il faut larguer. Ça largue. C'est une libération et voilà, nous l'a besoin d'exprimer à nous, que ce soit en chanter, en causer, en parler, en dansant. Voilà, Et c'est peut-être comme ça que nous évoluons ensemble. Oui, hein, nous évoluons. Parce que quand nous fait comme ça, la bête, nous avons l'audace de dire c'est vrai. Vous comprenez? Mais nous, là, nous n'avons plus une affaire dans notre tête, les vrais. C'est affaire dans le cœur, les vrais. Voilà, tu voilà vois? Ça, oui. C'est dans le cœur, il cause, là. Et quand dans mon cœur, il cause, là, ben, d'autres cœurs entendent. C'est ça. Donc, il résonne. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a trouve résonance dans le cœur de tous. C'est ça. Par où ça commence? Par chez moi. D'abord par moi-même, dans mon cœur à moi-même. Et où ça nous ça va? Après, nous ça va ensemble. Nous tout ensemble. Il n'y a pas de division, pas de séparation? Non. On n'a plus besoin, ça. Ouais. Plus besoin. Nous sommes en même temps sur une belle planète et nous n'avons pas de discrimination, nous n'avons point de comparaison, nous n'avons point de choses pour dire à un monde comment lui doit faire. Parce que ça, là, nous les friands pour ça, nous les humains. Vous connaissez comment nous les... Oui, nous dire tout d'abord que ça, il faut faire. Il faut faire. Après, mais non seulement à nous, mais nous de bande parents, toute la bande a dit à nous comment il nous doit faire. Comment toute la bande dit à nous comment il faut faire. Oui. Mais vous connaissez une affaire. Après, personne n'y connaît. Laisse-nous tranquille. Mais ça, c'est comme avec Mamaï, ça, rappelle à Ougui. Quand nous l'étions dans le Jumbo Score avec Bonne Mamaï. Oui. Bonne Mamaï, il a notre comportement. Il est là. Dans l'instant. Ouais. Et si vous êtes des autres, fais pas, fais comme ça. Oui. Ben, qu'est-ce que nous ça Qu'est-ce que Banaïs a donné? Donc, autant de laisser les autres dans le moment, dans l'émerveillement et accepter. Emilienne, vous connaissez l'affaire. Quand elle était petite, quand elle était un petit marmaille, moi, j'étais en train de jouer avec un papillon dans le jardin. OK? Moi, j'étais content. Elle passe à peu près 2 heures avec les affaires. Mais t'es tellement content de voir comment le bachin l'était, avec toutes les couleurs, tout ça. Mais regarde ça. Mais on dirait, on était un petit moment, me dire, moi, t'es 5 minutes, mais ma maman l'a dit, moi, depuis 2 heures, où était là? Tu sais? Et vous connaissez que ça l'arrête, l'a fait? Mon maman, elle dit à moi, on a 2 voix pour faire, rentre à case! Ben oui! Et c'est ça le problème avec nous. Nous contrôlons nos enfants, nous contrôlons les autres, nous disons à l'autre comment la vie il est, nous disons à l'autre aller à l'école, l'autre sera heureux un jour. Le maman il est heureux, couillon, on n'a pas besoin de demander à lui aller à l'école pour être heureux. C'est ça. Tu vois? Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Excusez-moi, téléspectateur. Non, parce que notre monde va dire qu'il ne faut pas aller à l'école, envoyer plus d'autres enfants à l'école. Non, midi, il a besoin d'apprendre comment compter, comment lire un petit peu, les choses essentielles. Mais quand vous savez à l'école, pour gagner un 20 sur 20 et que vous faites compétition avec de bons camarades parce que vous êtes plus fort, même ou non à l'école, il ne veut pas dire rien, ça. Il ne veut plus dire rien, là. Il veut dire une bataille pour gagner la vie, il demande. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et nous, on n'a pas besoin de bataille. C'est ça la beauté de la vie. Oui. Quand on cause avec le cœur, on n'a point de bataille. On n'a point de bataille.
Rien que le cœur y cause. Voilà, c'est vrai. Ok, allons continuer comme ça, notre tout. Alors, elle est bonne. Ah oui. Oui, laisse le cœur causer. Allez, bon. Parce que quand nous causons comme ça, ben, Ménan Monde, il veut venir avec nous après. Ah, voilà. Après, il y a un bon peu de monde, il cause avec le cœur. Et plus nous n'est de monde qui cause avec le cœur, eh ben la tête va s'estomper parce que nous va remarquer que la tête, ils servent à rien, ils servent que à faire des problèmes, des tracasseries, tracas. Vous connaissez tracas? Tracas. Ça, il vient pas du cœur, ça? Ah non. Il vient de la tête. Il coque à où? C'est ça. C'est vrai. Exactement. Ah, c'est ça. Et allons faire ça, parce que midi, toute bande créole, là, allons oui, vivre avec le cœur. Avec le cœur. À cause, nous n'avons pas fait ça. À cause, il y a tellement de affaires, il empêche à nous. Tu sais, la peur, c'est une affaire. La peur. On dirait que nous, la peur, d'avoir peur. Voilà, c'est de ça. La peur, de la peur, peur qui nous. Fait peur. Non, on fait pas rien à tout. Rien. Ça n'a pas rien. En fait, nous créons, nous, des peurs. C'est ça. Quelle est, des fois, c'est, en fait, nous... une certaine façon de dramatiser aussi dans la tête. Mon Dieu, ça, on l'a dit. À un moment donné, on n'a plus le contrôle parce qu'on a tellement mettre en boule et que ça y est. Comme une locomotive, il faut aller là. Parti. Et quiconque vient accentuer le drame. Voilà, c'est ça. Alors, que nous en fait, nous attire la peur. Il en devient fait. Ton maître. Voilà, c'est ça. Quiconque c'est ça. Arrive à accentuer le drame, il devient ton maître. Il te dira si tu sors de là, tu devras affronter. Les intempéries, tu n'auras plus à manger, tu n'auras plus de gaz. Reste enfermé, reste esclave. Il fait peur au même. Parce que dehors, ça fait peur. Voilà, dehors, ça fait peur. Nous, on s'est dit, on veut vivre que dehors. Mmh. On en a assez de vivre à l'intérieur des carcans imposés par ceux qui donnent juste de la peur. Mmh. Et on voit qu'il y a des sources de peur aujourd'hui. Les médias, les informations, beaucoup de programmes à l'école, les communications de beaucoup d'institutionnels, de politiques. Et ça communique aussi... la peur. Ils connaissent pas le fait de causer avec le cœur, comme tu dis. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à le faire? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à causer avec le cœur? Ben déjà, quand on cause à coup de cœur, ben on connaît à où déjà. Ça c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et vous êtes libéré aussi aux propres sentiments. Nous les individuels en fait, nous avons notre propre locomotive à l'intérieur de nous, si on peut dire comme ça. À nous mettre à lui en paix. Voilà. Et c'est ça le plus dur, c'est le mettre en paix. Et accueillir la paix aussi. C'est ça. Accepter la paix. C'est tout un travail, tout un cheminement, on peut dire ça comme ça. Mais quand tu commences, tu vois, moi j'entends ce que tu dis là, mais j'ai l'impression que c'est quand tu commences à te donner le pouvoir, te donner l'envie de le faire, quand tu commences à le faire, malgré toutes les peurs que tu as, tu vois, ben tu te lances et tu vas dire la vérité. Voilà. Tu sais, toi tu dis, il faut que la vérité elle sorte. Tu vois, et on peut attendre un petit peu, de 3 minutes, peut-être 2 jours, attendre la situation va être mieux, que le monde ça va pas en bête à outre. Mais ça, c'est pas une affaire, on peut attendre. Ça, il bouille, 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 il saute, il faut qu'il saute. Et c'est ça, vivre avec le cœur. Mais il n'y en a point un bon peu de monde, la fine laisse ça bouillir. Bonne fine mette un. Enferme à lui bien. Tu vois, et il n'a plus rien, il sort. Voilà, c'est à double tour, le bien confiné. Comme on dit, il finit taquer, la langue finit taquer. Non, il est taqué. Alors, il faudra le détaquer. Et voilà, pour terminer cette émission, peut-être une petite présentation de vos activités ou une actualité que vous auriez à annoncer. Tu allais pas à un événement là, tout à l'heure, tu me disais. Il y a un événement. Ah oui, avec Hélène. Ah oui, mais ça, si c'est tout à l'heure, non. Non. Ah, d'accord. Tu as des événements, des choses à inviter les téléspectateurs pour venir te rejoindre, à danser, à chanter. Non, pas spécialement. Te présenter, pas spécialement. Ben on va préparer, on va le dire après. Voilà, c'est ça. Hein, c'est bonne idée. On va, nos deux demoiselles vont vous préparer un petit show. Et on va tous vous inviter. Yeah. Comme autre actualité. Pour parler avec le cœur. Voilà. Ouais, parler avec le cœur, c'est important. Voilà. Autre actualité, on vous le rappelle, le livre de Guy Roger,
métamorphose tous les post-it, c'est moi là. C'est comme ça que je lis les livres. Je lis les livres pas en passant dessus, en me disant non, je les étudie, j'en lis des passages et prenez-le et lisez-le. Peut-être que vous vous sentez victime dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous n'arrivez pas, comme mesdemoiselles, à parler avec le cœur, à causer avec le cœur, comme on vient de le faire sur le plateau. Dans quel cas, il y a un chapitre, page 121, dans le livre Métamorphose de Guy Roget, qui s'appelle « Le sentiment d'être victime », dans le chapitre « L'acceptation de soi ». Tout homme est responsable de sa vie. Il n'y a pas de victime. Ses rôles sont inventés et joués, si bien que chacun est tributaire de l'illusion d'un monde idéal que l'on aimerait faire naître. Souvent pour demain, jamais pour maintenant. Il y a dans cette démarche la perversité de se dire que la paix viendra de l'action de celui que l'on accuse comme étant l'auteur des émotions qui se passent en soi. Il est temps d'être responsable, chers amis. Soyons-le ensemble, soyons-le dans la joie. Soyons-le pour vivre libre. Voilà. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.